Très heureux de feuilleter ce journal avec vous. Au menu de cette édition, les échos du FESPACO 2019 qui bat son plein dans la capitale burkinabé. Et puis les préparatifs de la commémoration de la 162e journée de la femme qui sera célébrée cette année à Koupela. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Sans transition aucune, allons au ministère de la Femme où Hélène-Marie Ilboudo était face à la presse ce matin pour faire le point des préparatifs de la 162e édition de la commémoration, voilà donc la journée de la femme. Et cette année, la ville retenue pour cette célébration s'est bien coupée là. À cette conférence de presse, Odette Zouanguena et Yannick Kabouré y étaient et ils nous font l'économie de ces informations. Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale est le thème retenu cette année pour la célébration du 8 mars 2019. Un choix qui se justifie par le contexte actuel du pays qui est en proie à des attaques terroristes. Et en croit la ministre, la grande innovation de l'année est la campagne de salubrité Opération Zéro Sachet Plastique. 3 jours sans utiliser de sachet plastique et chaque personne qui marche, s'il rencontre un sachet, qui prenne le sachet et qui sécurise. Ça veut dire, ne le mettez pas quelque part où ça va revenir dehors. Ce seul sachet plastique que chacun de nous prendra, sécurisé dans une poubelle pour qu'il ne se retrouve pas dehors, va contribuer à l'assainissement de notre environnement. Il faut la responsabilité de chacun et l'engagement de chacun à respecter notre règle et les rêves définis par la société pour que nous puissions vivre ensemble. C'est sur ça que nous voulons beaucoup tabler. Et je vous assure tout de suite que nous avons travaillé avec le ministère de l'Environnement. Ils sont le partenaire clé dans cette démarche. Et nous avons associé le ministère de la Jeunesse parce qu'ils sont plus dynamiques. Pour une commémoration gagnante-gagnante, le ministère de la Femme a opté pour la promotion du pain tissé que du pain imprimé. Nous sommes là pour aider les uns et les autres à réguler et à respecter les lois du bon vivre ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que je suis avec les deux pays parce que vous voyez que je suis là pour tout le monde, je ne suis pas là pour un ou l'autre. Parce que c'est les femmes burkinabées aussi qui vivent des pays imprimés, qui s'occupent de leur famille, qui s'occupent d'autres femmes. Il y a une chaîne, il y a des détaillantes et tout. Et toutes ces femmes aussi trouvent un peu de revenus pour leur famille. Donc je suis là pour toutes ces femmes. Mais nous allons prioriser le pain tissé puisque le coton est fait ici, fabriqué avec Filsa, tissé ici. C'est vrai qu'il y a plus de valeur ajoutée pour nous, gouvernement, dans le pain tissé que le pain imprimé. Mais nous savons aussi que nous devons aider toutes les personnes au Burkina Faso à vivre de leur travail. Les festivités de la 162e journée internationale de la femme auront lieu dans la ville de Koupela, chef-lieu de la région du Centre-Est. Outre la conférence publique sur les thèmes retenus et la campagne de salubrité, un tournoi de football féminin sera organisé à cette occasion. Précisons que cette commémoration sera une aubaine pour le ministère de distinguer des personnes physiques et morales qui se seront illustrées dans le domaine du maintien de la paix et de la promotion de la femme. Actualité oblige et nous parlons toujours du 8 mars 2019. Le thème retenu cette année est « Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale ». Sur la justesse de ce thème, Madame la ministre s'exprime au micro de Odette Zouanguena et Yannick Kabouré. Les terroristes ne vont pas chercher ailleurs pour nous faire mal. Ils viennent chercher dans nos enfants, ils viennent chercher dans nos maris, ils viennent chercher dans nos filles et dans nos femmes. Si nous contribuons nous-mêmes à éradiquer et à arrêter ce flux de candidats au suicide, je pense que nous aidons les forces de défense et sécurité à faire bien leur travail. D'où la nécessité pour les femmes de s'engager dans cette lutte. Parce que nous savons pertinemment qu'il n'y a pas meilleur allié pour les forces de défense et de sécurité que les femmes. C'est elles qui mettent les enfants au monde. C'est elles qui éduquent les enfants. C'est elles qui nourrissent les maris combattants. C'est elles qui voient la faille et les dérives de son enfant. C'est elles qui peuvent alerter
et demander de l'aide pour qu'on puisse aujourd'hui prendre en charge cet enfant qui peut être demain un kamikaze. D'où la nécessité pour les femmes de s'impliquer vraiment à arrêter et à arrêter le flux de radicaux et d'extrémistes que nous avons au Burkina Faso. Donc, les femmes ont l'impression d'être impuissantes et de penser qu'on va prier, c'est vrai. Moi, je suis très croyante. Je pense que la prière peut nous aider. Mais je suis aussi convaincue que dans aucun livre saint, il est dit de prier et de s'asseoir. Prier et travailler et combattre. Vous ne pouvez pas prier et ne pas aller au combat pour gagner. Vous priez et vous allez au combat et Dieu vous aide à gagner le combat. Et le combat de la femme, c'est s'impliquer dans l'éducation, s'impliquer dans la prise en charge de sa famille pour arrêter le flux des radicaux dans notre pays. Donc, c'est ce message, ces communications que nous allons faire lors du 8 mars. C'est pour ça que nous avons pris ce thème. Et même après le thème, nous allons travailler à déclencher à la femme ce sentiment de responsabilité face à son enfant qui part pour être un kamikaze. Elle est aussi responsable que l'enfant. Parce que je dis souvent, le papa, il est là, mais c'est la maman toujours qui pleure pour son enfant, hein, vous savez. Donc, cette responsabilité est partagée. Et les hommes qui vont au combat, parce qu'on voit beaucoup des hommes et des femmes au combat, mais le socle de la famille qui reste la femme, parce que c'est elle qui est le socle de la famille, accompagnée de son époux ou de son conjoint, reste les socles forts de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre pays. Le marché du film est au cœur du Festival panafricain de la télévision et du cinéma de Ouagadougou. Et bien sûr, nous sommes au cœur du FESPACO. À cette rencontre, producteurs, distributeurs, diffuseurs et porteurs de projets sont présents au MICA, au marché dédié, bien sûr, aux activités, sinon aux professions, en tout cas, du cinéma. Eh bien, nos reporters ont sillonné les artères du MICA et voici le reportage. La 19e édition du marché international du cinéma et de la télévision africain MICA s'est ouverte le dimanche à Ouagadougou en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision. Nous avons sillonné les artères de ce grand rendez-vous entre producteurs, distributeurs, diffuseurs et porteurs de projets. Entre-temps, nous constatons le ministre de la Communication qui ne déroge pas à la règle de passer visite. Avant le marché du cinéma et de l'audiovisuel, que nous avons un pays qui est extrêmement doté en termes notamment de production audiovisuelle. Vous avez de la télévision qui crée des contenus, mais c'est un marché également d'acquisition de programmes. Nous avons voulu donc rendre visite à ces différents acteurs de l'audiovisuel-là. Je suis satisfait, j'ai vu des télévisions privées comme la télévision nationale présente dans l'acquisition de programmes, dans la vente de programmes. J'ai également vu, y compris des acteurs nationaux comme Stimulus, dans la recherche de financement pour des programmes. C'est ça aussi le marché, c'est de l'offre, c'est de l'acquisition, mais c'est également des projets qui se montent et qui peut-être auront la chance d'aboutir dans quelques mois et dans quelques années. Le pays invité d'honneur de la 26e édition du FESPACO, le Rwanda, est à l'affiche de ce grand marché. Et en croit le secrétaire général de la Fédération rwandaise du cinéma, le choix porté sur son pays n'est guère anodin. Un pays d'honneur du FESPACO vient de la sorte que on a fait pas mal de projets de films qui sont en compétition. Il y a des films, trois films qui sont là, ce sont des films qui sont à l'échelle nationale. La production et l'investissement du cinéma au Rwanda et dans tous les domaines, dans tous les différents domaines de l'économie, le Rwanda a mis sur pied, en place, toute facilitation possible pour que les investisseurs étrangers, internationaux, africains puissent venir investir au Rwanda. Le MICA se poursuit jusqu'au 1er mars 2019 où chaque festivalier est attendu pour faire ses emplettes. En rappel, le MICA a été créé en 1983, soit 14 ans après la création du FESPACO. La production cinématographique est bien dans le milieu évangélique aussi, on en trouve. Quelle est alors la place de l'évangile dans la production cinématographique? Le pasteur Étienne Pitroapa, président de l'église de la vie profonde et fondateur de l'ONG de Zinode, présent au MICA, s'est prêté à notre micro sur le sujet.
Il nous apporte des éclaircissements au micro de Odette Zwangena et Yannick Kabore. Le cinéma, c'est certainement un moyen pour faire passer des informations, passer des messages. Généralement, l'Église se met en marge, alors que c'est important que nous utilisions ces nouveaux moyens pour parler aux jeunes. Aujourd'hui, vous arrêtez pour prêcher un message de 1h30 à la jeunesse, elle n'a pas le temps d'écouter. Mais si vous combinez technique et message, vous avez des vidéos, vous avez des images, et alors ça accroche et la vérité passe par là. Donc nous disons que le cinéma aujourd'hui peut être utilisé comme un moyen d'évangélisation et nous avons la possibilité de transformer toute cette technologie pour que la mission pour laquelle nous sommes envoyés dans le monde soit accomplie à cette heure. Il ne faut pas qu'on se leurre. Les jeunes sont dans leur milieu. Aujourd'hui, vous faites une conférence, vous invitez les jeunes, ils ne viendront pas. Faites une campagne d'évangélisation pour les inviter, ils ne viendront pas. Il faut aller les trouver là où ils sont afin que le message les atteigne. Voilà un peu ma position par rapport au cinéma et à tout ce qui est œuvres cinématographiques, les vidéos et tout ça. Ils étaient 5 à convoiter le fauteuil présidentiel au Sénégal, appelé aux urnes pour les départager. Le dimanche dernier, le peuple sénégalais a décidé d'accorder un second bail à Macky Sall avec plus de 58% des suffrages, selon bien sûr la commission électorale. Au Sénégal, le chef de l'État sortant est réélu. D'après les chiffres annoncés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes, Macky Sall a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour avec plus de 58% des suffrages. Son premier rival, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, aurait lui obtenu 20% des voix lors du premier tour organisé dimanche dernier. Avant l'annonce de ce jeudi, plusieurs candidats de l'opposition ont rejeté la perspective d'une victoire de Macky Sall dès le premier tour, assurant qu'un second tour serait nécessaire. Les chiffres annoncés par la commission électorale doivent à présent être validés par le Conseil constitutionnel, seul habilité à proclamer les résultats définitifs. Le sommet entre Trump et Kim n'a pratiquement rien donné. Après de longues heures de travail, les deux présidents ne sont pas parvenus à faire signer un seul accord. Toutefois, le dialogue n'est pas rompu. Suivez. Donald Trump n'aurait-il pas trop attendu de ce deuxième sommet avec Kim Jong-un? Officiellement, les relations entre les deux leaders sont bonnes et des progrès ont été réalisés. Mais à l'évidence, pas assez. Déjeuner de travail et conférences de presse communes annulées, les deux présidents ne sont parvenus à signer aucune déclaration conjointe, ce que le programme officiel prévoyait. Tout simplement, ils voulaient la levée des sanctions totales et nous ne pouvions pas accepter. Ils sont prêts à dénucléariser une large partie de leur territoire, ce que nous voulions, mais nous ne pouvons pas lever toutes les sanctions en échange de cela. Nous continuons à travailler, nous verrons, mais nous devions nous éloigner de cette demande. Nous devions nous éloigner. En clair, la Corée du Nord ne remplit pour l'heure pas toutes les exigences des Américains. Donald Trump a également été interrogé sur le témoignage fracassant hier de Michael Cohen, son ex-avocat qu'il a accusé de raciste et d'escroc. Il a beaucoup menti, mais c'était intéressant car il y a une seule chose sur laquelle il n'a pas menti. Il a déclaré qu'il n'y avait eu aucune collusion avec la Russie pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Je me demande pourquoi il n'a pas menti sur cela comme il a menti sur tout le reste. Il n'a rien dit de faux sur la Russie. Il a dit « pas de collusion ». En revanche, les autres points d'achoppement dans les négociations avec la Corée du Nord n'ont pas été évoqués. La fin de la présence militaire américaine en Corée du Sud, demande de Pyongyang, ou encore l'idée d'une déclaration mettant officiellement fin à la guerre entre les deux Corées. Les discussions mèneront-elles à un troisième sommet? L'idée n'a pas été mentionnée. Dames et messieurs, nous mettons un terme ici à cette édition. Eh bien, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. La grâce de Dieu surabonde dans vos vies. À demain.